aventure sur Evil Within, sur un petit bout d'aventure. J'espère que vous allez bien. Donc évidemment, n'hésitez pas à voir les autres vidéos si vous tombez dessus juste là maintenant. On va continuer donc cette aventure dans l'antre du mal. Voilà, bon. Les pièges, alors comme un hache, comme on dit chez nous. Faire attention parce qu'il y a du monde, mais on a déjà démantelé un piège. C'est déjà un de trop. Oh putain, ça rase, pardon. Tire dans ta tête, en flou. Bon, ah bah ça c'est fait. Hein. Tiens, voilà. Bon, on va quand même les cramer. Bon, je pense que c'est bon en fait. J'aurais complètement explosé le crâne, mais. Vous avez vu que on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Franchement, là, c'était tendu. Je pensais les avoir tranquillement et discrètement. Ça n'a pas été trop le cas. Je vais dire ça comme ça. Changer de carreau, blablabla, explosif. Bon, ben, je peux pas. Bon, là, ça va commencer à devenir tendu. Pour la bonne et simple raison que j'ai moins en moins de munitions, donc ce serait bien quand même d'aller en chercher ou d'en acheter si je peux le faire. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, d'accord. Ce serait bien d'aller en acheter, ce serait une bonne chose. Alors le mec dit avec des zombies tout autour de lui, il sait pas ce qui peut lui tomber sur la gueule, mais le mec, il va quand même prendre le soin de défoncer les portes chaque fois. Vous l'avez remarqué. Hein. Ça j'aime pas fort beaucoup. Du sang bleu. Bon. De toute façon, il n'y a pas d'avance, il faut avancer, comme on dit. Ah. Par contre, une paire de balles. Mon royaume contre une paire de balles. C'est quoi ce délire? Wout wout. Oh non. La voilà de retour. Oh my godness. Oh elle va me pomper le dard. Là ce qui va arriver. Je me casse. Je peux pas me casser. Super, magnifique. J'adore. J'ai pas peur. Bon là. Est-ce qu'elle se prendrait le courant peut-être? C'est un malentendu. Oui. Vas-y, burn motherfucker. Je m'attendais pas à cette saloperie. Bon, le feu, ça a l'air de marcher. Mais évidemment que ça marche. Ah, ici on a des balles. Ça m'en fait 3 de plus. Donc 4. Ok. Ok, bon. Et on peut passer maintenant? Oh, ça va être chaud. Bon, on va tenter de passer, on va se prendre... Ah non, je pensais que j'allais me prendre une drine. Mais non. Bon, on a quand même réussi à l'éloigner. Je vous garantis pas que je ferai ça à tous les coups. À l'air du bol comme ça. Mais en tout cas... On est au taquet, les gars. On est au taquet. On est prêt à courir comme des petits lapins dans la savane. Mouais. Et après, la porte serait-elle ouverte? Ah oui, évidemment. C'est certainement l'autre qui l'a défoncé. Alors toi... Ouais. D'accord, de mieux en mieux ici. Je peux pas le cramer. Dommage. Je vous propose qu'on aille voir devant d'abord. Ah, de quoi? Foutre le feu? Non, non, mais ça va aller. Je vous propose qu'on aille faire ces pièces-ci d'abord. Et qu'on... Oh là! D'accord. Non mais t'es sérieux? Oh my godness. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Bon, je vais tenter de la faire passer. Vas-y, viens lui. Voilà, regarde. Viens, j'ai un cadeau pour toi. I got something for you. Come on. Come on. Viens, un bisou. Viens faire un bisou à papa. Bon, le feu, on m'a dit que ça marchait. Non, non, mais c'était pour rire. T'es pas amoureuse. Oh putain, tout juste.
pose, ben, du coup de mettre la deuxième, hein, parce que si elle se repointe, j'ai un petit doute sur le fait de pouvoir. Voilà, bon. Oh, punaise. Tiens. Sérieux, là, ça commence à devenir complètement psyché. Complètement. Non, non, mais. Je t'explique. Non, 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 non. Non, non, non. Bon. Évidemment, elle me chope, elle me tue. Hein. Ça, y a pas d'avance. De toute façon, j'ai beau la cramer. Il me semble que je ne fais que retarder mon issue. Donc, en fait, je dois simplement me barrer, courir. Bon, ça risque d'être assez folklorique, je vous l'avoue. Bon, ouais, tirer dans la jambe d'un ennemi pour le faire tomber, évidemment. Quand tu cours, t'as tendance à essayer de tirer un peu n'importe où parce que tu flippes ta race. Ou en prime, ben, tu cours avec quoi. Mais tu penses pas à tirer dans la jambe. Et t'arrives pas forcément à tirer dans la jambe à ce moment-là. À ce moment précis. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là? Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas du tout. D'où tu sais que je dois aller, l'idiote? Ah ouais, c'est notre fameuse amie là. Là, je comprends pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire ici, les autres? Hop. Bon. Ça. Dois la cramer, tiens. C'est de la part des JFK. Et après, que veut-on que je fasse? Ah, d'accord. Bon. Bon. Je suis mort. Il semblerait que je doive l'amener dans la pièce enflammée. Osons dire ça comme ça. Je sais pas par contre ce qui va activer le fait de pouvoir faire la combustion dans cette chambre. Donc activer la chambre de combustion. Il va falloir que je trouve donc comment activer cette chambre de combustion et l'y placer dedans au même moment. Ok, bon. Mais c'est quand même assez saugrenu parce que je vous rappelle que j'ai quand même un truc pour la cramer, donc pourquoi l'emmener dans une chambre de combustion? Je comprends pas tout. C'est pas grave. Bon, alors attendons. Essayons de trouver cette chambre de combustion. Elle est là. She's there. Bon, faut que je descende. Bon, viens, mes mères. Prenons-nous dans les bois, tant que mes mères n'y est pas. Allons-y. Tranquillou. Eh bien, mes mères. Oh, where are you? Oh putain, elle court. J'ai pas peur. Ah, d'accord. Understand, understand. Do you understand? What? Je suis mort. Bon, en fait, je prends le problème à l'envers. Je sais pas si vous avez vu, il y a un levier en fait. Donc, je dois descendre de l'escalier, la faire descendre aussi, qu'elle soit dans la chambre de combustion, et puis activer le levier qui est juste sur la droite à la sortie. Donc, je dois prendre dans l'autre sens en fait, tout bêtement. Maintenant, je le sais. Avec un peu de chance, j'y arriverai. Bam, bam, bam. Voilà. Bon. Ça reste la même. Faut que je voie mes mères ici. Bonjour mes mères. Au revoir mes mères. Bon. Donc, on va pas prendre par ici. On va plutôt prendre par ici. Et voilà mon pacte. Come on. Et bien mes mères. D'accord. Ah d'accord, elle le prend comme ça. Tiens, normalement j'active la chambre de combustion. Et c'est fait. Non, normalement elle est morte.
quand même le mec. Ça, j'aime pas ça. J'ai comme l'impression que je vais pas vraiment tuer en fait. Oh putain. Oh putain. Je peux pas le refaire une deuxième fois, cadeau? Tiens. En fait, j'ai comme l'impression qu'elle se pointera ad vitam aeternam. Mais je suis pas sûr par rapport à ça. Ouais, j'ai dû rater un truc. Je sais pas quoi j'ai raté, mais je l'ai raté en tout cas parce qu'elle réapparaît tout le temps. Bon, a priori j'ai réussi, je sais pas quoi, mais toujours est-il, je vous avouerai que je vais pas demander mon reste, mais alors pas du tout, désolé pour tout le monde, pour le suspense, et je passe cette porte, et je me casse de cet enfer, voilà, bon, de toute façon, on peut encore s'attendre de toute façon à avoir de la visite de cette fameuse bébête, point de contrôle. Oula, rentrez, rentrez. Le dossier du sujet évoque un retard de développement ainsi que des problèmes de communication, de cognition sociale et comportement répétitif. Signe de synesthésie. La généalogie évoque une forte sensibilité aux stimuli extérieurs, avec capacité d'adaptation. Serais-tu. Non, je ne sais pas ce que tu cherches. Ok, donc c'est une expérience en fait. Le méchant fait une expérience. C'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il veut me faire croire, comprendre? Point de contrôle, c'est parti. Wout, wout. Un cerveau. Non, ça c'est pas cool par contre. Ouais, bon. Eh ben écoutez, je vais regrouper les trois gaillards là. Come on. Ouais, on va les regrouper les trois ensemble. Et je plime. Oh, ok, bon. Je me suis un petit peu emballé. Pour moi, ils cramaient, mais ils veulent pas. Ok, nice. Ils veulent pas? C'est une blague? Wout? Eh, t'es censé crever. T'es censé crever, chacal. Je m'acharnerai jusqu'à ce que tu sois mort. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je comprends pas tout, mais c'est bien. Bon. Ok. Bon. On va le foutre au sol. Hein. Et au revoir. Bon. Des connexions neuronales. Bon, tout le pète. Ok, magnifique. Complètement. Et c'est la fin de notre chapitre 5. Évidemment, on va sauvegarder. Donc, hein, on va. Continuer cette aventure. Mais on va d'abord sauvegarder. Il est complètement barge ce stage. Chapitre suivant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Doudou.
Quelque chose vous a fait peur? Ils ont trafiqué le cerveau ou quoi? Vous n'avez pas de mine. Vous devriez prendre mieux soin de vous. Ok, prendre mieux soin de moi. Mais qu'est-ce que je suis en réalité? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis réellement le policier que je pense être? Ou est-ce que je suis un dérangé psychologique avec une qui s'invente une vie? Parce que là, pour le moment, je suis vraiment occupé de me poser la question si c'est pas ça. Franchement, ils ont l'art de tourner le bazar. Et pour moi, je suis un détraqué psychologique, en fait, hein, un détraqué mental. Hein. Pour moi, c'est la seule solution. Pourquoi? À chaque fois, je réapparais ici. Et pourquoi j'ai des flashs? Serait-ce que des flashs de ce qui s'est passé avant? Franchement, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? 9000. Là, ils ont craqué, hein, 9000 cerveaux. Bon, on va pas les utiliser finalement. Non, ça paraît un mauvais plan. Ça paraît un très très mauvais plan. Bon, je vais voir si j'ai pas la capacité de sauver ici. Et si je peux le faire. Voilà, bon. On continue l'aventure, on va pas s'égarer quand même sur la demoiselle, il y a d'autres choses à faire, ce serait quand même malheureux. Et on va continuer donc cette aventure qui commence à partir un peu en live total, évidemment, c'est pas par là qu'il faut aller. Je m'attendais, mais non, c'est raté. Bon, on va ouvrir toutes les portes, parce que je sais plus du tout d'où j'étais venu. Ah, je crois que j'étais venu de derrière le local de l'infirmière, mais je vous avoue que j'ai oublié, à moins que cela soit ici. Et non, il n'y a pas de miroir pour s'en aller. S'en aller, délivrer. Bon, on va revenir donc ici. À mon avis, c'était ici. On va le trouver, hein. De toute façon, un petit miroir n'est pas. Ah, super, j'ai pas. Bon, par contre, plein. Ok. Je pensais pouvoir prendre les munitions de flingue, mais c'est toujours pas le cas, hélas. Ok. Bon, ok. Magnifique. Ah, je peux prendre ça. Le plancher s'effondre. Church floor collapses. Non, rien du tout. Évidemment, c'est toujours quand on croit que c'est un endroit que ça ne l'est pas. Alors, je vais aller parler avec mademoiselle. Mademoiselle la lunette. Non, c'est pas ici non plus parce que j'ai précédemment j'étais monté dessus, mais je veux pas utiliser les points non plus. Bon, ben je vais écouter, je vais parler à madame. Je madame, t'es jolie. Je madame, t'as pas un 06. Non, madame elle a pas de 06. Non, elle a pas de 06. Pas de chance. Super. Et alors je vais où moi? Wesh. Non. Eh bien, vous voyez, ça pardonne pas. Non, c'est pas par là non plus. Alors, attendez. Archive? Non. Il n'y a pas un objectif dans le coin? Non plus. Bon, c'est génial, en fait. On est vraiment dans la merde. Et il n'y a que moi qui ne le sais pas. Généralement, c'est toujours par un miroir qu'on s'échappe. Et ici. Moi qui tu es, je te dirai ce que je veux. Ah, ici peut-être? Bah non. Non. Non plus. Bon.
Ça se trouve, je suis déjà passé 1000 fois devant et j'ai toujours pas vu. Bon, j'espère en tout cas que vous passez un bon moment sur cette aventure de Evil Within parce que elle est à. Bon, toujours pas de nouvelles. Ici non plus, évidemment. Permettez 2 secondes. Et voilà. Évidemment, l'alarme, ça ne pardonne pas. Ça m'aurait pas lâché. Autant le faire tout de suite. Bon, j'ai un problème alors. Où dois-je aller? Mademoiselle? Non. Perte de contrôle. On va déjà re-sauver au-dessus, mais j'ai toujours pas trouvé la suite de l'aventure, évidemment. Où dois-je aller? Allez. Il y a un truc, j'ai pas dû utiliser l'objet en question. Non. Bon. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va utiliser nos points. J'avais pas trop envie de le faire, mais imaginez, c'est ça qu'on doit faire. Je pourrais chercher pendant des heures, hein. Ouais, j'ai amélioré la vitesse de recharge du pistolet. Ça, là, écoute, on s'en fout. Par contre, ce qui peut être vachement sympa, oui, c'est la vitesse de rechargement du flingue. Du shotgun. Alors, bon, on a toujours notre problème, hein. Ça n'a rien changé du tout. C'est hallucinant, hein, quand même, d'être bloqué ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Loul. Bon, c'est pas possible, ça, quand même. Je vais longer les murs et ici, il n'y a rien du tout. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. C'est l'éclate, en tout cas. Bon. On sait pas ouvrir la porte là non plus. Ah, rien non plus ici. Et rien non plus ici. Bon, il va falloir m'expliquer parce que là, je commence à tourner en rond. Mais sérieusement, là, je pense que j'ai exploité un petit peu tous les événements et toutes les choses que j'avais à faire. Pour vous dire, je suis occupé de lécher les murs, quoi, tel un ninja. Et rien du tout, quoi. À tous les coups, il faut appuyer sur un bouton quelque part, je vous le promets. Après, je comprends pas pourquoi il y a une double porte ici. Je vois pas le concept. Et il me semble que c'était ici qu'on était arrivé, justement, la fois passée. Mais là, bon, il faut une clé, mais j'ai pas de clé, évidemment. Donc ça me sert à rien du tout. Par où il faut aller? Alors là, maintenant. C'est pas possible. Comment on peut trouver ça? Non. Ah, non. Bon, finalement, j'aurais fait tous les coins possibles et imaginables, mais j'aurais pas fait les tables. C'est vraiment. Hélas. Des photos. Une église. Un trou. C'est Diablo. Vraiment. Ah ouais. Bon, c'est noir, hein, les gars. Je sais pas ce qui se passe, hein. J'ai peur. Oh, mais.
Non, j'ai pas bugué, donc non. En fait, ça, c'est pour faire flipper les gens. Ils se disent, putain, merde, ma manette, elle a bugué, elle a planté. Ou ma PS, elle a planté. Et il se passe rien. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Oh, non. Ok, je vois quelque chose maintenant. D'accord. Ok, bon, faut simplement mettre la lumière. Ouais, ok. Bon, je pense qu'on va s'équiper aussi. Donc à faire. On va s'équiper de quelque chose parce que ça me plaît pas fort beaucoup, sans truc. Non, je pensais que tout avait bougé dans la pièce, mais non, pour le moment, non. Ouais, ok. On voit rien du tout. C'était quoi ce bruit? Ça me plaît pas du tout. John, rentre. Rentre, le chat. Eddie. Ah Marie, je l'aime. Je m'en vais au combat. C'est parti. Non, mais avec la lumière quand même. Oh my god. Voilà, le fameux miroir qui voulait pas s'activer tantôt. Et sauf qu'il y a quelque chose là. C'est l'infirmière, non? Ouais. Et des cafards partout. Je suis trop jeune pour mourir. What? Alors. What? Bon. A priori, il n'y a plus de. Putain, c'est le bordel, on voit rien du tout. Il n'y a plus de miroir. Ils ont. Putain, il y a une porte, ouais, maintenant, c'est nouveau. Bon, ok. Et on peut descendre. D'accord. Bon. Magnifique. On peut descendre. Non, ça me plaît pas. C'est quoi ça? Un zombie? Pas un zombie? Oui, non, non, non. Étoile d'araignée. Super, j'adore. Bon, il n'y a rien. Si, il y a quelque chose. Bon, on va quand même taper. Juste par acquis de conscience. Parce que si jamais on se retrouve avec un zombie, là, un invisible, je sais pas trop quoi. Non, a priori, il n'y a rien. Super. Tiens, nous voilà de retour avec Leslie. Sorte de pulsion magnétique. Un magnéto. Sauf que, à mon avis, Leslie, elle va plus être Leslie longtemps, je crois. Sébastien, c'est toi. C'est toi, Sébastien. Papa. Sébastien. Ah, voilà, magnifique. What the fuck. C'est quoi, bordel? Bon. Ok. Et ici, on est où? Ok. En visite. Bon. On va passer comme ça, on est un vandal. Nous les portes. De toute façon, on n'aurait pas su partir. Passer. Partir et passer. C'est ce que je voulais dire. À mon avis, vu la gueule de la porte, on n'aurait rien su faire avec ça. Bon. Montons les escaliers de la tour Montparnasse. Wow. Perte de contrôle, chapitre 6. Voilà, donc c'est le même endroit sur les photos. Ça va être génial. En fait, on est convié à une petite fête et on ne le sait pas encore. Voilà. C'est à mon avis ce qui va arriver. Bon, j'espère ne pas me prendre quelque chose d'explosif, de piquant, enfin de tous ces saloperies-là. On va dire ça comme ça. Mon avis que j'ai quelque chose à prendre ici, sinon il ne me ferait pas monter. Non, en fait, il n'y a rien du tout. Je suis venu pour rien, juste pour admirer la qualité de la vue, on va dire ça comme ça. La vue imprenable sur la tour. On va éviter de faire demi-tour, ce serait quand même dommage. Bon. On va courir aussi, tant qu'à faire, ça fait longtemps que il n'y a pas couru, il y a un petit peu engourdi, on le voit tout de suite, vous voyez, il s'essouffle très vite, mon petit ami. Non. Faisons attention, faisons attention. Pour le moment, rien de bien dangereux, a priori. Et à mon avis, ça va être là-bas, derrière cette porte, que tout va commencer. À mon avis, elle est fermée. Hein. Et. Ah non, elle est verte. Oh.
Oui, toi, Bob. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça Est-ce que va? ça va? Ouais, Clark Kent, il va Ma bien. tête arrêtait pas de bourdonner. J'ai bien cru qu'elle allait éclater. J'espère en tout cas que vous passez un bon Mais moment. maintenant, Evil je commence à m'y c'est comme ça. habituer. T'as vu Kidman? Non. J'étais seul quand je me suis réveillé. T'es transformé. J'ai dû m'évanouir ou me Ça me plaît transformer. pas. Ouh, on est bien compagnie. En plus, j'ai pas de balles, souvenez-vous. J'ai plus aucune balle dans mon inventaire. Les échelles. S'il faut Pardon. tirer, je suis dans la merde. Ouah, ça va. Ça va, j'ai déjà affronté bien pire ici. Hein. Bon, pousse les échelles déjà, c'était un petit peu intelligent. Bah ouais, on s'échappe, mais on n'est pas les échelles, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Encore un. Encore. Allez, cocktail Molotov. On va crever. Oh oh. Mais vas-y, quoi. Fixe. Le mec il a jamais joué à Walking Dead, c'est pas possible. Ah, ok. Dépêche-toi, tu je vais devoir shooter Qu'est-ce que j'essaie de faire? du zombie, Faut je un crois. peu plus de temps. Boum. Tiens, dans ta tête. Oh oh, j'ai eu l'enfoiré là, en fait. C'est lui l'enfoiré. Tiens, tiens. Oh, ils sont résistants. Ah, il y en a d'autres derrière en plus. Génial. Oh, j'ai pas insulté ta mère, ça va, c'est bon. Bon. Paf. Oh, et c'est chaud, hein. Je vais pas les retenir bien longtemps. Ce sera pas Paf. long. Là pour le moment on est OP. Tout va bien quoi. Oh lolo. Bon, c'est pas le même plan. Attendez, je vais mettre une petite truc de vie, comme on va dire. Parce que là, sinon, je donne pas cher de ma peau. Hein. Super, j'ai plus de balles. J'adore. J'ai toujours adoré ces plans foireux. Regardez. Yallah Wakbar. Bon, désolé pour les personnes musulmanes. Et je suis dans la merde. Officiellement, j'ai plus de flingue. J'ai plus de balles. Oh. Boum. C'est bon, viens vite. Oh, bah, t'inquiète, j'arrive. Attends. Il y avait juste ça à prendre, je crois. Voilà. Des balles, ça fait pas de mal. On se barre. Allez hop. Cassos. Ouais. Et après. C'est le bordel. C'est bon quoi? Oui, non, oui, non. Là, on a des choses à prendre. Ça sent le gunfight à plein nez, ce bordel. Alors, ça me plaît beaucoup, hein, mais. Enfin, pas tant que ça en fait. Je vous propose de mettre le flingue. Là. Putain, il y en a un autre là. Oh là 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 là. Oh là là. Et la nonne. Parce que. Ah ouais, il y en avait un autre. Super. Tiens dans ta tête aussi, toi. Et tiens dans ta tête. Voilà. Bon. Pour le moment, on est dans la merde. Toujours. Encore et toujours. Bon, fusil à pompe. Et oui, je ne suis pas au taquet, les gens. Boum. Hop, oh, ils sont deux fois plus nombreux. Fois plus Génial. Nombreux. T'as le temps de te plaindre. Boum. Boum. Qu'est-ce qui se passe ici? Je dois l'aider. Bon, a priori, il n'y a plus de balles, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus rien. Non, oui, non. Bon, si, en fait. Hop. Voilà, on va faire ça. Boum. Boum. Ah ben on s'en sort plutôt bien. Par contre, il va me falloir des balles, mais alors prestamment. Voilà. Ici, on a de quoi réalimenter des shotguns. Ce qui est quand même pas une mauvaise chose dans la forme. Waouh, shotgun. Shotgun. Oh oh. Oh 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 oh. Ça commence à devenir tendu, les gars. Oh oh. Grenade. Bon, grenade. Est-ce qu'on a ça?
Dans la famille Grenade, je demande la maman. Bonjour, maman Grenade. Bon, c'est bon, ok, Sébastien. magnifique. Ok, je me casse. Salut. J'ai pas le temps de tout récolter, mais vous êtes d'accord avec moi pour me dire que je prendrai pas mon temps. Voilà. On va d'abord s'échapper en vous. Ouf. On s'arrête deux secondes. Je m'étonne. On fera pas long feu à ce rythme. Je pense qu'il vaudrait mieux filer d'ici. Ça me fait chier parce qu'il y avait quand même pas mal de bonus à prendre dans cette pièce. Et pour avoir une meilleure vue du coin. Absolument pas eu le temps de prendre. Ce sera déjà mieux. Vous savez bien que dans les survival, c'est le plus important. Oh punaise. Diantre. Fusil de précision. Salut. Voilà, bon. Et évidemment, c'est ici que je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode. C'était Naiden pour un clic en trop, la chaîne YouTube. Salut à tous. Bye bye.